Well, want somebody to tell me. Answer if you can. Want somebody to tell me. Said whatever, sure I'm a man. I'm going to ask the question. Please answer if you can. Is there anybody children can tell me? Said whatever, sure I'm a. Well, what somebody tell me. Answer if you can. I want somebody. Bonjour les amis. Eh bien, en ce beau dimanche bien brumeux, nous allons commencer notre petite matinée de détection. J'ai bien dit nous, car je suis en compagnie de JC. JC, bonjour. Bonjour. Voilà, moi c'est moi. Salut. Et... première petite trouvaille. Ah. Une doudouille. Et voilà, une doudouille. But de chasse apparemment moderne, ce du 764 de sanglier. Et voilà, nous sommes en, donc en bois, quelque part en Moselle, somewhere in Moselle. Et rallumage aux prochaines trouvailles intéressantes, parce que la doudouille, c'est de la doudouille, quoi. Allez, à toutes. Bon, vous allez rire, quoi. Mais c'est un grand classique. Vous voyez, vous creusez, et puis vous avez une belle branche, et bien sûr... la cible en dessous. Allez, à toutes. Et ben voilà. Un plomb. C'est un plomb, ouais, c'est un plomb de sac. Un plomb de sac, écrit premier. Allez, à toutes. Et là, shrapnel. Le camarade, il est au fond, là-bas. Et moi, là, deux trous, juste à côté. Une balle à blanc et une ogive. Bon, ben, shrapnel. Yo, les amis. Alors, dans ce trou... quelque chose d'intéressant. C'est un objet sympa. Et ça me rappelle un truc que j'ai déjà trouvé. On appelle les balles de Brenneke, Brenneke, un truc comme ça. Je remercie d'ailleurs Légionnaire de m'avoir dit ce que c'était. C'est pour du gros calibre, quoi. C'est de la balle de chasse, gros calibre. Bien sûr, pour chasser l'éléphant ou le rhinocéros de Moselle, bien sûr. Allez. Et encore du shrapnel. Et encore un. Bon, vous savez quoi, je vais pas les filmer tous, hein, parce que... un de ces endroits étranges, mes amis. Toute cette grosse... il y a vraiment de gros arbres qui sont déracinés. Regardez-moi ça. Vraiment énorme. Vraiment énorme. C'est assez intéressant comme paysage. Le collègue, il est par là. Et là, moi, je viens de trouver... cette fois-ci, c'est pas des shrapnel, c'est de la balle de mousquet. Voilà, voilà. À titre d'information, si vous trouvez une grosse bille de plomb qui tape dans les 60 grammes, eh bien, c'est pas du mousquet,
C'est une bille de fronde romaine. Allez, à toutes. Bien, bah, je viens de trouver la balle de mousquet par là. Là, c'est les pieds du collègue. Et je viens de sortir ça. Peut-être une pièce mécanique, d'engin agricole, d'engin forestier ou un truc militaire. J'en sais rien. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Et bah voilà qui fait plaisir. Voilà qui nous fait plaisir. Bon, je l'ai naturé pour savoir quelle date, mais c'est cool. Là, la belle. Eh bien, avant, j'étais là. Et ici, je refais la même, quoi. Vous voyez, une et deux. Ah, apparemment, il y avait le garant avec. Il doit y avoir le chargeur avec. Alors, voyons voir, il y en a peut-être encore. Ah bah ouais. Hop. Et ouais. Bon bah les amis, juste à côté de la lebelle. Comme vous pouvez voir, ça sonne, ça sonne. Bah regardez. Regardez, paf en direct. Hop, encore une. Encore une. Je les sors en direct là. Je les sors en direct. Elle est où? Elle est là. Hop. Voilà. On a encore une autre. Super. Et qu'est-ce qu'il a trouvé le collègue? Les collègues trouvent la même. Du lebel. Donc il y avait une position française ici, entre les deux espaces découverts, ce qui me semble un peu logique. Aïe. Sans doute encore une babale. Donc c'est par là. En live. Voilà. Et voilà. En live. Elles sont bien conservées. Hein. Allez. Vraiment très étrange, ce petit coin de bois. Vraiment très étrange. Très étrange. Voilà la petite bébête. On la voit la bébête. Le rejeton de Chelob. Ben c'était même le sol quoi. Une faux. Voilà. Toujours dans cet endroit assez étrange. Une faux. Ouh, ah. Le collègue il est juste là. Bon, ben, ce petit tour en bois, hein, c'était Fischer versus T2, Technetics. Enfin bon, c'est les ponts en marche. Hein. Alors, voilà les trouvailles de la petite baleine en forêt, avec les déchets. Ah oui, moi mes déchets, ils sont, je ne les ai pas sortis, en fait, mes déchets. J'ai ça.
J'ai des déchets, j'ai des voilà. Voilà, je crois que c'est un bout de fer à cheval, ça. Voilà. Voilà. Magnifique, hein? C'est merveilleux. Faites de la détection, vous allez voir, c'est des trésors. Des trésors. Eh ouais. Re, les amis. Bon, moi j'ai eu des signes bizarres, mais en fait, c'était signe que j'étais en manque de batterie. Voilà, donc je suis couru à la voiture chercher les piles. Et là, le collègue vient de m'annoncer enfin du rond. Ouais. C'est une appo. Ouais. Elle est morte. Bien rincée. Ouais. En tout cas, c'est bon augure. On va continuer là-dessus. Allez, je vous reprends plus tard, une fois que j'aurai changé les pipiles du T2. Nous avons donc quitté la forêt parce que, bon voilà, la forêt c'est resté la forêt quoi. Et surtout qu'il y avait des chiens de chasse qui nous couraient autour. Alors si c'est pour nous rabattre le sanglier sur nous et qu'on nous tire dessus, c'est même pas la peine quoi. Donc on a préféré se mettre sur un petit terrain à côté. Et donc le collègue vient de trouver un petit napo bien rincé et moi je viens de trouver un beau petit plomb. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait très très longtemps. Ouais, ça faisait très 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 longtemps. Le bon vieux shrapnel. C'est mon troisième, regardez. C'est ce qu'on appelle une bague de pigeon. Donc reste à moi maintenant de faire mes petites recherches. Et je saurai à qui appartenait ce pigeon, d'où est-ce qu'il est parti et à quoi il servait. Voilà. Voilà les amis, il a fallu que j'aille le chercher profond. Hein. Vous voyez, hop. Vous voyez. Il reste ça au-dessus du pinpointer, quoi. C'est-à-dire que ça fait ça, plus ça. Ah oui, facilement 40-45 cm. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est une grosse masse, quoi. Bon, ça, c'est une tête de but. Belle tête de but. Moi, je dirais du 105. Mais je me trompe peut-être, hein. Moi, je ne suis pas du tout un expert militarien, hein. Pas du tout. Corrigez-moi si je me plante, hein. Si je me plante, pardon. Voilà. Bon ben, après cette ogive que j'ai trouvée un peu plus loin par là, je viens de refaire à peu près le même son. 80. Ça me dit quoi? Hein, 88, 90. Bon, généralement, c'est des canettes. C'est les capsules de vinasse. Pinpointer. Et on va voir ce que c'est. C'est de la motte. Oh, putain, la terre elle est grasse. Ouais. Oh, 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 oh. C'est beau. Alors ça j'y croyais pas du tout. Je croyais que j'allais encore avoir un. Ça a sonné comme l'obus avant, à 81, 85. Oh merde! Putain, j'y croyais pas. Je te laisse le prendre. Oh, putain. Ouais. C'est ça, hein? Il me semble, ouais. Putain, le dernier que j'ai trouvé, le mois dernier, là, il était assez rincé. Ah, si, on voit... Attends. Ouais, regarde. Cool! Là, il a la couronne... On dirait un...
On dirait un... Comment qu'il s'appelle ça ? Antonia Lepieux ou... Marc Aurèle ? C'est un Marc Aurèle ? Je crois que c'est un Marc Aurèle. À voir. Waouh, cool ! À la fin. Yes ! Putain, j'y croyais pas. Présulfate, un petit son, pas loin de la surface. Vu le poids, vu la taille, on dirait une alu. C'est ça, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien joué. 5 francs, Morlon. Joli. 1950. Ah putain, la netteté. Quand tu veux, voilà. Bah voilà, camarade. Quand même, une petite pièce. Une belle monnaie. Bon, ben, je viens de sortir ça. Je sais pas trop ce que c'est. Comme on dit, comme dit l'adage, avoir un nettoyage. Bon, ben, nous, on va se rentrer. La voiture, elle est là-bas. Allez, à touti. C'était fin de la sortie en binôme. Donc, voilà ce qu'on a sorti du champ. C'est un appôt, ça, c'est ça hein? Ouais, t'es sûr? Pense, ouais. Ouais, faut voir, quoi. Mais peut-être. Je sais pas. Bien, moi, j'ai trouvé ça. Beaucoup de gros débris militaires. Bon, c'est, je crois que c'est une tête de 105. Et ben voilà, au niveau pièces, ben, une 5 francs Morlon. Et je crois que c'est un Marc Aurèle. Un sesterce Marc Aurèle. Si mon peu de connaissances, derrière, je crois que ça s'appelle l'équité, je sais pas quoi, parce qu'il y a la balance. Voilà. Bon, ben voilà. Sur ce, je vais dire au revoir à JC et à la Moselle. Bienvenue en automne. Bien. Bon bah j'ai encore changé d'endroit. Là je suis quelque part, toujours dans le 57. Je rentre chez moi tranquillement, puis de temps en temps je m'arrête dans un champ. Une boucle. Bonne vieille grosse boucle. Ouh, un détectoriste perdu dans la brume. Enfin, soit un gros trou pour trouver un petit anneau. Voilà. Et mon homme des bois, dans un petit trou, il trouve une petite bille. Un petit shrapnel. T'as décidément, je suis abonné. Hein. Regardez ce que je trouve à même le sol. Ça a sûrement été déterré du labour là et jeté sur le côté. Ça, c'est sûr et certain. J'aime pas trop les labours, mais bon, voilà quoi.
Il faut changer quand même. Et là, regardez, belle petite surprise. Une petite boucle. Super. Moi, je kiffe les boucles. J'adore les boucles. Je collectionne les boucles d'ailleurs. Donc voilà, je préfère encore trouver une boucle qu'à une monnaie. Voilà, chacun ses principes. Hein. Moi, c'est les boucles. Allez. Bon, finalement, j'en avais marre du labour, quoi. C'est pas facile de marcher là-dedans. Et je me suis mis à côté, en fait. Je suis un espèce de ruisseau, là. Et là, j'ai une touche, mais c'est profond. Hein, regardez par vous-même. C'est... Voilà, c'est assez profond. Et... Ben, je continue. Bon, apparemment, c'est quelque chose de gros et de profond. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, là, avant la tombée de la nuit, je vais plutôt revenir une autre fois, donc... J'ai pris un arbre mort là-dedans, je l'ai planté, et ce sera mon repère pour revenir un jour, quoi. Un autre jour. Voilà, à toutes. Autre trou, pareil, assez profond, et... Ça bip, enfin j'ai creusé quoi. Ouais, la hauteur du pinpointer, et... C'est en dessous de la pierre. Alors on va voir qu'est-ce que c'est. Ouh, ben, que d'énergie. En fait, c'était ça. Voilà, je sais pas ce que c'est. Un capuchon, je sais pas, un cendrier. C'est allé sur quelque chose, certainement, je sais pas. Enfin, voilà la belle merdouille encore. Oh yeah.